Bien, salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Dirt Rally 2.0, non pas sur le championnat de la Ligue RFE catégorie R5 World Tour, mais sur une petite dernière mise à jour qui a dû se mettre il y a une semaine. Donc on va découvrir s'ils nous ont mis une nouvelle voiture. Donc c'est la Ford Fiesta R5 MK2. Donc comme vous voyez, pas mal. Donc une dernière voiture dans les catégories R5. Bon, avec une livrée qui est pas trop mal, je prends celle-là parce que les autres sont pas terribles. Donc on va regarder le setup, on va rentrer dans le setup. On va le charger. Donc voilà l'alignement. Les freins, le différentiel où j'ai bien verrouillé, la transmission, les amortisseurs, bon, pas trop ferme parce que c'est quand même de la terre, et les ressorts pareil. Allez. Donc on va se lancer, on va se faire une petite étape en Nouvelle-Zélande. Donc sur le pays où que j'avais raté mon rallye il y a à peu près d'un mois de ça, l'avant-dernier donc. En Nouvelle-Zélande où je me suis gaufré à la troisième étape de nuit. J'ai tapé une barrière, j'ai cassé les phares, enfin je voyais plus rien, du coup ça fait l'abandon. Donc je vais vous montrer ici. Allez, on va se lancer. Allez, on est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go. Si elle est gauche 3 long et droite 5 long, 30 mètres. Ah, il y a un problème de boîte là. Droite 3, dans gauche 2. Dans droite 2, extra long, ferme, corde. Ouvre droite 6, dans gauche 3, long. Ouvre sur ciel, 100 mètres, caché, à gauche de ferme. 30 mètres, droite 2, long, ouvre, 50 mètres. Ciel et pas corde, elle sourire quand même. Caché, 30 mètres. Droite 6 long, 80 mètres. Soulage gauche 4 sur ciel. Temps droite 1 ferme, pas corde. 60 mètres. Gauche 4. Dans droite 6 sur ciel, temps gauche 1 ferme. 50 mètres, ciel à fond milieu, 150 mètres. Droite 1 long, dans gauche 2. Dans droite 3, dans gauche 3 long, ferme 2. Dans droite 1 long, ouvre 6. Dans gauche 2 long, 30 mètres, gauche 1. Et droite 1 long, ouvre un fond sur ciel, ah, trop vite. 80 mètres. Gauche le sourire, 5, je trouve. Long sur ciel. Ah, vachement de sourire. Dans droite 6. 30 mètres, petite corde, gauche 5 sur ciel, bosse. 50 mètres, droite 6 long, reste à gauche, sur 50 mètres, gauche 2 long, ferme. Dans droite 3, 30 mètres, petite corde, gauche 3, dans droite 5 long, 160 mètres,
Reste à gauche sur ciel. 50 mètres droite 6 long sur ciel ferme. Dans gauche 5 long sur ciel ferme. Et droite 6. Dans gauche 6 long ferme 4 sur ciel soulage. Dans droite 1 long pas corde. Dans gauche 2 long, dans droite 2 long. Dans gauche 6, 30 mètres, ciel milieu, soulage et 30 mètres, ciel et à droite 2, 30 mètres, ciel à fond et droite 6, extra long sur ciel, 30 mètres. Oh man, il a pas voulu marcher là. Gauche 6, 50 mètres, droite à fond, 100 mètres, droite 3 long, ouvre et ferme. 50 mètres, à gauche de long. Dans droite de long, ouvre. Ah, j'arrive un peu fort là. Et ciel 50 mètres. Ciel et gauche, deux petites cordes. Dans droite 5 long. Dans gauche 6, 50 mètres. Droite 5. Et gauche 4 long, ferme sur ciel. Sur ciel, dans droite 3 long, ouvre, 80 mètres. Ciel à fond milieu, 80 mètres. Soulage, reste à droite, dans gauche 6 long et 3. Et 50 mètres à gauche, hein, pas corde, 50 mètres. Droite 4 long, 100 mètres. Ciel à fond milieu, 150 mètres. Soulage, gauche 6, dans à gauche 1. 50 mètres. Gauche 5 long. Dans droite 6, extra long. 60 mètres. Long ciel à fond, 30 mètres. Pas corde droite 6, dans petite corde gauche 5, dans droite 6 sur ciel, 50 mètres, et 3, droite à fond sur ciel, et 50 mètres, gauche 3 ferme, dans droite 2, dans gauche 4 sur ciel, dans droite 5, dans gauche 6 petite corde, 50 mètres, gauche 6, dans droite 6 extra long, ferme droite 3. Dans gauche 5 et droite 2 extra long, ferme. Dans gauche 5 long sur ciel. Dans droite 6, dans gauche 4. Et soulage droite 4, dans épingle gauche long, ferme. 50 mètres. Droite 3 ferme, petite corde, dans gauche 2, 30 mètres. On s'amuse bien avec, mais le sourire quand même, putain. Droite 4 long, je parle, j'écoute pas les notes. 150 mètres. Gauche 5 extra long, 60 mètres. Droite 5 long sur ciel, ouvre et reste à gauche sur jump. Dans droite 5. 50 mètres, gauche 6, ouvre sur ciel, dans droite 5, jump, sur ciel et gauche 6, dans droite 6, 30 mètres, soulage, droite 4 long, ouvre sur ciel, dans droite 5 long, dans gauche 4 et reste à droite sur ciel, à gauche 2 long, ferme. Dans droite 2, pas corde. Et droite 5, dans gauche 3. Et reste à droite, dans gauche 6. 30 mètres, gauche 3 long. Et étroit, droite 4, pas corde. 50 mètres. Droite 3 ferme. 50 mètres.
gauche 4 long, ouvre sur ciel, 50 mètres. Gauche 3 ferme, 30 mètres. Droite 3 ouvre, 30 mètres. Droite 3, et reste à gauche dans droite 6, gauche 6. Droite 2 long ouvre, 30 mètres. Droite 6, dans gauche 5 extra long, ferme 4. Et corde gauche 3, dans droite 2, et gauche 2 long. Dans droite 3, très long, ouvre droite 6 sur ciel. Dans gauche 4, petite corde. 50 mètres, reste à droite sur jump, 80 mètres. Gauche 6, extra long sur ciel, ferme. À gauche 4, 50 mètres. Droite 4 long, pas corde. Dans gauche 3 long, ouvre sur ciel. Dans droite 4, le pont. Eh merde. Droite 4 long, pas corde. Dans gauche 3 long, ouvre sur ciel. Dans droite 4, petite corde. 30 mètres. Gauche 4 long, dans. À droite 3 long. Je regarde ma boîte de vitesse, j'ai les vitesses qui sautent de temps en temps. Dans droite 4, dans gauche 3 long, ouvre, sur arrivée, 50 mètres, stop, bravo. Bon ben voilà. Pas trop mal, ah, j'ai rebattu mon corps. 15 secondes. Bon, que dire de cette voiture? C'est pas mal. Hein. C'est une bonne petite voiture. Bon, après, je la trouve hyper sous-vireuse. Mais sinon, comportement, elle est pas mal. Un bon petit bruit. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, elle se place bien dans les virages. Tout ça, mais... Bon, comme je vous dis, il y a le sous-virage. Après, bon, peut-être toucher dans le setup aussi. Hein. Parce que j'ai fait un setup vite fait, histoire de vous montrer cette vidéo. De vous faire découvrir cette petite Ford Fiesta MK2. Donc voilà. Par contre, sur le championnat RF Aero, ceux qui ont les Ford, eh ben, ils n'ont pas le droit de la prendre parce que sinon ils sont disqualifiés. Comme vous le savez, on doit toujours garder sur toute la saison la même voiture. Donc le prochain rallye de la Ligue RF Aero, ça commence dimanche. Moi, je partirai sûrement jeudi, vendredi ou samedi. Enfin, dans ces trois jours-là, ça sera le dernier rallye du championnat qui se déroulera en Écosse. J'ai déjà fait 2-3 reconnaissances. Un rallye, c'est pas simple du tout, mais vraiment pas simple du tout, quoi. Un peu comme le Pays de Galles, quoi. Et les notes, il y a beaucoup de notes du copilote qui sont fausses, alors c'est pas évident. Voilà, si vous aimez cette vidéo, commentez-la et partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!